Pour un homme de Caron, c'est Majoconde. C'est un parfum qui a marqué l'histoire de la parfumerie. Moi, je considère que c'est le plus beau parfum de l'histoire de la parfumerie. C'est une icône qui ravit encore des millions d'hommes. L'histoire derrière Pour un homme de Caron, c'est un pari fou d'Ernest Daltroff, le créateur de la maison de Caron, qui était de créer le premier véritable parfum pour homme. Le coup de génie d'Ernest Daltroff, c'est d'utiliser le pilier masculin de la parfumerie pour homme, la lavande, mais de l'associer à la vanille qui, à cette époque, était plus féminine et créer cette dualité lavande-vanille révolutionnaire qui a marqué l'histoire des parfums. Ce que j'aime dans Pour un homme, c'est cette idée du sillage qui diffuse, mais qui ne s'impose jamais et qui n'agresse pas. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce que je trouve que la masculinité et la séduction, elle est naturelle.